salut à tous. Salut Tanguy. Bah, bonjour. Alors attention, attention, en hommage à monsieur Michel-Edouard Leclerc, cette chronique est en promo exceptionnelle. Pas moins 10, pas moins 20, mais moins 30% sur le pastureau. Il est frais. Enfin, plus ou moins, quoi. Bon, il est là, il est beau, c'est le pastureau. Oui, voilà, je fais un petit clin d'œil à l'invité, toujours. Voilà, si on avait eu Patrick Bruel, j'aurais chanté. Si on avait eu Sarkozy, je me serais pourvu en cassation. Enfin, bref. Alors, cette semaine, je vais vous raconter une histoire. J'ai pris de l'essence, parce que j'ai beau être une star du service public, je vis comme tout le monde. Donc, je mets ma carte bancaire. Là, j'entends, aïe, non, mais ça va pas. Enfin, quelle tête en l'air. En fait, j'étais à la caisse face à l'employé de la station, donc qui recrache ma carte, ainsi que ses dents. Bon, il me demande de prépayer, parce que ça se passe souvent comme ça dans les stations-service. Le type donc me dit, je mets combien? Je réponds, 50 euros. Il éclate de rire, me lance un paquet de chips en disant, voilà, sale gueux, pour 50 euros, t'as ça. J'ai très peu d'amour propre, donc j'ai mangé les chips assis par terre. Bon, j'avais oublié l'inflation, c'est véridique. Dans cette station, le prépaiement actuellement monte jusqu'à 160 euros. 160 euros avant, c'était 6 jours, 7 nuits en hôtel club en Tunisie. Maintenant, avec ça, tu vas à Tourcoing. Enfin, l'inflation est tellement dingue que moi, chez Leclerc, dans la fente, pour débloquer le caddie, j'essaye de foutre des billets de vin. Et je repense à ces gens pendant le Covid. Qui ont stocké 500 paquets de PQ. Tout le monde s'est foutu d'eux. J'ai un ami qui l'a fait, là il revend le PQ à prix d'or, c'est-à-dire moitié moins qu'en boutique, il vient de passer quatrième fortune de France. Hein, actuellement, il stocke des copeaux de boîte toilettes sèches pour les revendre 50 euros le copeau dans 3 ans à Sandrine Rousseau et Zaz. Et ce qui est terrible avec l'inflation, c'est quand les prix n'augmentent pas, bah, c'est la quantité qui diminue. En fast-food, actuellement, vous demandez une frite, on vous donne réellement une frite. Ouais. J'ai acheté un paquet d'Emmental, en fait, il n'avait mis que les trous. Les légumes sont tellement chers qu'il paraît que si vous mettez un emoji aubergine dans un SMS, il est surtaxé. Mais Olivia Grégoire, la ministre, a la solution. On peut faire face à l'inflation des cours de cuisine à l'école. Alors, il y aura, vu le budget de l'école, bah, il y aura un saladier vide avec des gosses qui font semblant de touiller et vendent des cakes. En fait, ils vont jouer à la marchande, quoi. Donc, je pense qu'ensuite, Madame Grégoire va nous dire l'essence est trop chère. Eh bien, pourquoi ne pas créer à l'aide d'une petite pelle votre puits de forage dans le jardin? C'est une femme de solution. Alors, heureusement, cette semaine, bon, on a reçu du monde. Je veux dire, ça nous a changé les idées. Le roi Charles, le pape. La France, c'est plus un pays, c'est un Airbnb, quoi. Alors, attention. Attention, d'abord à cause de l'inflation, le roi ne s'appelle plus Charles III, mais Charles 1250. Voilà, il faut savoir. Alors, Charles bronzé, regardez, magnifique, Camille en rose. Enfin, on avait l'impression de voir Barbie et Ken à l'EHPAD, quoi. Et puis, oh, le dîner au château de Versailles. Digne, digne. Moi, j'ai vu trop de fois les liaisons dangereuses, donc 4 miroirs et 2 lustres. Bon, je me mets à poil en pensant que c'est une soirée haute, quoi. Ça a été gênant lors des dernières journées du patrimoine. Bon. Mais eux, l'élégance. Pas le moindre masque vénitien, pas la moindre cravache. Le coût du dîner, voilà, ok, un peu élevé. Ce matin, j'ai vu Bruno Le Maire au feu rouge, il m'a fait le pare-brise. J'ai donné 1 euro, il m'a eu, il m'a dit c'est pour la France. Voilà. Seul souci, Victor en a parlé si bien. Macron a touché le roi. Alors, ce qui est interdit, hein, même lui, s'il veut se toucher, il faut savoir qu'il consulte son arbre généalogique pour voir si c'est ok. Oui. Allez, la chronique, finalement, je vous la fais à moins 40 pour le pouvoir d'achat. Voilà.